Salut à tous, c'est Snakey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Bordeaux-Lorient, je vous amène avec moi direction la Bretagne. J'espère qu'il fait aussi beau qu'ici. Je vais essayer de vous faire partager un maximum les coulisses de la rencontre. Peut-être approcher certains joueurs, pourquoi pas Cédric Carasso, ce serait bien, j'ai 2-3 trucs à lui dire. Bon, enfin voilà, il est 9h30, le train est à 10h, donc je vais vous laisser. On se retrouve en Bretagne, les couleurs sont là. Allez Bordeaux, on est là, et à tout de suite. Ça y est, on est arrivé donc à Lorient après 7 heures de train. Je peux te dire que j'en pouvais plus. Le train c'est bien, ma petite dose, tu vois. Donc là, les gens vont parler tout seul, donc ils prennent pour un dingue. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Putain, je me suis foutu en veste là, limite l'écharpe, le bonnet, quoi. Mais j'ai rien compris. On m'a dit que la Bretagne il faisait froid. J'ai eu peur, tu vois, au début. Allez, on va manger les merlues. Elles sont les merlues. J'ai faim. J'ai faim, bordel, j'ai faim. Les merlues. Eh, ça y est, on est au stade du Mouster, je suis avec Cyril. Est-ce que on est là, on est là. Ouais, on est là. T'as réussi à trouver l'entrée? Ah, c'est ouais, moi j'ai mis du temps pour trouver, j'ai demandé à tout le monde, personne savait où c'était. Finalement c'était là. Ce stade, c'est un peu ouais, voilà, c'est, il a fallu passer par des ravins, un peu comme Indiana Jones. Tu vas en parcage? Je vais en parcage. Voilà, moi je suis en tribune de presse, mais je vais gueuler aussi. T'inquiète pas. Il faut encourager, il faut croire, là c'est qu'elle on y croit. Vas-y, non. On y croit. Alors je vais rejoindre un supporter lorienté, il s'appelle Mister, je ne sais plus son nom, je vais lui demander. Ce serait mieux. Voilà, donc il y a les ultras qui sont en train d'arriver derrière moi, c'est les ultras lorienté. Ce soir encore, nous sommes là. Écoutez notre cœur qui bat. Ce soir encore, nous sommes là, et c'est Bordeaux qui gagnera. Donc ça y est, on est sur la pelouse du stade du Moustoir. Comme vous pouvez le constater, voilà, il n'y a pas encore grand monde, ça, à mon avis ça va se remplir pas mal là, parce que l'enjeu est grand pour Lorient, hein, pour nous, mais pour Lorient, parce que les mecs jouent quand même la descente. On se plaint les gars, mais des fois il faut se compter de ce qu'on a. D'ailleurs voilà, j'ai mon pote l'orienté qui est là, bon il veut pas se montrer, et voilà, il passe un petit coucou. Donc il est pas très serein. Hein. Je te sens crispé là. Voilà, bon désolé, j'ai pas pu montrer mode de Girondin, on est obligé d'avoir ça. Voilà, mais il y a l'écharpe, elle est là l'écharpe, l'écharpe des ultras. Voilà. C'est Dortmund. Oh il y a de l'ambiance. Oh c'est Dortmund. Vous m'entendez pas parce que le mec il gueule. Et on est là. Voilà. Les joueurs s'entraînent. Ah, il y a la mascotte. Bonjour. Bon, désolé. Hein. On les a envoyés en Ligue 2 en 2009 pour être champion. Donc, là, ça tombe sur vous, quoi. Voilà. Ouais, bon courage. On a eu la mascotte de Lorient en direct. Voilà, c'était sympa. Elle était sympa. Là, les ultras sont là-bas. Je leur fais un petit coucou. Il y a aussi des potes qui sont dans le portage. Et bravo, les gars. C'est aussi cette saison, c'est la vôtre. Vous avez été énorme. 30 ans des ultramarines. On n'oubliera pas. Donc vraiment bravo à vous, ils sont énormes, c'est un travail monstrueux, donc je les félicite, voilà. Donc je suis avec un abonné là, qui m'a rejoint, comment tu t'appelles? Jonathan, voilà, donc Jonathan, Bah bien, moi j'habite en Bretagne, donc j'ai pas souvent l'occasion de venir les voir. Allez, c'est parti pour les gars. Un petit pronostic ou pas? Faites-moi qu'on a gagné 2-0. Voilà, donc il pense à 2-0, j'espère qu'on m'entend parce que là le son, là, il est là. Un bel hommage à Carras. Voilà, un bel hommage à Carras. Ah ouais, un bel hommage à Carras. Alors là, il y a un Lorienté qui s'est pris un Yumchuk dans la gueule, ça fait très mal. Hein. Mais c'est un Polonais, il fait pas exprès. Mais ce que je disais à mon collègue Lorienté, c'est que c'était la casette, ben encore une fois, et voilà, arbitrage à deux vitesses quoi. La dame, allez, la dame, c'est bien le crochet, la dame. Oui. Oh là là là. Devant. Mais c'est quoi cette passe de guerre, putain? Ouais! On est cinquième, même si ça condamnerait malheureusement les orientés. Allez Bastia, allez Bordeaux! Et on se retrouve donc pour cette deuxième mi-temps. Les joueurs sont en train de rentrer sur le terrain. Vas-y! En corner, corner, allez à nous! Maintenant il y a corner! Nous assistons à un moment unique, hein,
les supporters de Lorient entendent un bateau, un bruit de bateau, et donc du coup, bah, ils font du bruit. Je te souhaite pas d'entendre le bruit du paquebot contre Bourg-en-Bresse. Franchement, Bourg-en-Bresse, c'est sympa quand même. Mais attends, t'as les Alpes, les montagnes, les promenades, avec les chèvres, la chèvre de Monsieur Seguin et tout. Là. Allez, laisse pas tirer, laisse pas centrer. Putain, il est pas sorti lui, Cabot. Ah, c'est ça, c'est Ligue 1, ça. Ça, c'est Ligue 1, ça. Ça me dirait Casa. Mais je l'ai vu dedans. Oh là 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 là, allez, tiens. Pour l'instant, les Lorientais sont actuellement dans une érection très accentuée, puisqu'ils sont en Ligue 1. Fini Bourg-en-Brest. Bonjour le PSG. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé tant que Bastia tient en contre Marseille. Faut absolument qu'on marche. Je suis désolé de l'orienter, mais là, on doit gagner. Ouf. Oh putain, ils ont marqué Marseille. Ah bah c'est bon, je m'en vais. Allez, au revoir. Hein. Merci à tous. Et 1-0, ils peuvent égaliser Bastia. Pendant mes grandes réflexions footballistiques de ce match, je me suis demandé s'il y a un pénalty. Est-ce qu'on fait tirer à Carasso pour qu'il marque? Ah, ça c'est une bonne question. Oh le but! Oh le pas but! Oh c'était le pas but! C'était le pas but! Il y en a là. Calme-toi Maurice, vous êtes en Ligue 1, t'inquiète! Je suis en train de me dire que si on marque et qu'on les envoie en Ligue 2, j'ai intérêt à me cacher quoi, parce que moi je vais me pas casser la gueule en fait. Allez, c'est fini, Lorient est en Ligue 1. Ah non, pas encore. Ça veut dire quoi? Alors là, il va se passer un truc incroyable, c'est que quand vient de marquer, du coup, Lorient est en barrage. En barrage! Match est terminé, on va aller se diriger vers la zone mixte. Regardez, vous l'avez reconnu. C'est pour moi un immense honneur de vous présenter Jean-Claude Darcheville, qui est passé par Lorient avant d'aller au Girondin de Bordeaux. Et on s'en rappellera de notre Jean-Claude. Ah oui, on s'en rappellera. Avec Jussi le magicien. Hey Jussi le magicien, tu prends les cartes, qu'est-ce que tu me fais comme tour de magie, c'est ça? Il y a les Parisiens? Mais c'est des gaises. Ouais, c'est des gaises, frère. Et je tiens à le dire. On est vraiment unis dans la décision, on est aussi unis dans l'émotion et la tristesse que pour le départ. Il ne faut pas entrer dans les rumeurs de conflits au sein du club qui est parfois. Après le match de Marseille, je me suis exprimé déjà, j'avais écrit de lettres à ce sujet. Donc, pour l'instant, je ne vais pas trop revenir sur ce dernier match, c'était un match particulier. Vraiment, je veux dire, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Je peux te dire qu'on t'oubliera jamais. Ça, c'est sûr. Super sympa. Jamais. Et voilà, tu as fait l'évolution de Marseille, tout ça. Ouais, mais ça, c'est pas ça. Mais ça, j'espère vraiment que tu vas trouver. Tu vas rebondir parce que je pense que tu n'as pas envie de t'arrêter. Non, j'ai pas envie de m'arrêter. Voilà. Comme je l'ai expliqué, je sais pas si tu as vu la lettre que j'avais faite pour tout le monde. Voilà, tant que je serai performant et que j'aurai envie, je me vois pour certaines personnes. T'as raison. Toi-même aussi, et de toute façon. Tant que je suis bon comme ça, ça va. Ah, mais pour moi, je suis d'accord avec toi, t'as fait ta meilleure saison au Girondin. T'as fait vraiment ta meilleure saison et je préfère te remercier. Et même si t'es dans un club français, je peux pas que je verra. Non, je suis très content. Je te souhaite. Et toi aussi, je te souhaite de bien continuer comme ça parce que c'est bien ce que tu fais. Ouais, je sais pas. C'est très sympa. Non, mais je suis super heureux que tu viennes de parler comme ça, je dis, il n'y a pas de soucis au contraire. Puis je peux dire que les gens te suivent, on t'adore tous. J'ai reçu un nombre de messages. Par la carasse, dis-lui, est-ce que demain il fait des crassages dimanche? Il y a un garçon aussi qui s'appelle, alors j'ai oublié son nom, je suis désolé, c'est Matt. En fait, c'est le ramasseur de balles qui a peur de t'avoir blessé. Mais non! Et là, on m'a envoyé un message, sa maman m'a envoyé un message pour me dire si.
pour me dire, ah là là, tu diras Carrasco. Ah non, mais jamais de la vie. C'est l'histoire de la petite blessure contre Nancy. Non. Il a jamais fait d'erreur. Mais voilà. Ça a été moi qui, sur un mauvais appui, me suis fait mal. Mais eh ben, en tout cas, ce garçon avait été génial. Il m'avait aidé pour mettre du rythme dans le match et il avait été génial. En tout cas, jamais de la vie. Tu n'as pas besoin d'écrire de lettres, ne t'inquiète pas. Bon, allez, je vous laisse, les gars. Merci à toi, en tout cas. Et puis, je te suis, mais bon courage. Merci à vous. Bon, et voilà, les gars, c'était Carrasco. Je ne sais pas quoi dire. C'était vraiment un bon moment. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vais mieux, vas-y, coupe. Et voilà les supporters, nous sommes dimanche matin. Je vais vous faire le débrief dès que j'arrive à Bordeaux parce que voilà, déjà de 1, il faut que je récupère ma voix. Et de 2, je suis à la bourre, je vais rater mon train. Pour vous, le voyage sera instantané. Pour moi, je vais me faire chier, clairement, encore 7 heures de train. Et voilà, ça y est, on est rentré au Bercail. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai quelque chose pour vous. J'ai vraiment vécu une journée exceptionnelle, c'était magique. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu approcher Cédric Carrasco. Je te remercie si tu vois ce débrief, bah écoute, je t'embrasse. Tous ceux qui voulaient que je lui demande plus de choses, du style ou alors, est-ce que tu vas rester numéro 2, machin, est-ce que tu penses que c'est encore possible? Juste avant, il a été plombé par les journalistes qui lui ont posé des milliers de questions sur sa situation, sur son avenir, etc. J'avais plutôt envie de, simplement de pas trop l'embêter avec ça, de lui dire merci. Voilà ce que je voulais dire sur Cédric. Et maintenant on va parler de notre joueur qui s'en va. Il s'appelle Abdou Traoré. Mais ouais, mais Abdou Traoré, j'ai noté dans l'hommage du club, merci Abdou Traoré pour tes bons et loyaux services. Ouais, c'est pas simplement un joueur des Girondins. Abdou Traoré, c'est celui qui faisait des vannes dans le vestiaire. C'est celui qui préparait les jus d'orange le matin. Abdou Traoré, c'est bien sûr les petits ponts, les doubles contacts à l'entraînement avec les U12. Mais c'est pas grave, il les faisait quand même. Ça fait 11 ans qu'on lui cherche une position sur le terrain. Mais le mec, il est toujours là. Bon vent, et puis écoute, je te souhaite de trouver un club où tu pourras jouer, où tu pourras être titulaire. Et où tu pourras t'éclater. Avant l'annonce qui va arriver, je vais juste passer au remerciement. Merci à tous mes abonnés qui me suivent sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est vraiment grâce à vous. Et j'ai été très heureux de vous faire ces débriefs. Moi, mon premier but, c'est juste de vous faire rire. Ni plus, ni moins. Je cherche pas autre chose. J'espère que je vous ai représenté du mieux que je pouvais. Évidemment, je souhaiterais aussi remercier les premières personnes qui m'ont aidé. Hein. Je pense évidemment au site internet qui m'ont relayé. Il y a eu webgirondin.com, Girondin Forever. Voilà, qui ont commencé à mettre mes vidéos en ligne. Sur Twitter, il y a eu des personnes qui ont aussi beaucoup compté. Je pense à Diabaté33 qui relaye beaucoup mes débriefs. Fernando Chachalana qui a été un des premiers aussi à parler de moi un petit peu, à relayer ce que je faisais. Et c'est aussi grâce à ces deux tweetos que j'ai pu faire cette expérience du 12e homme orange. Voilà, donc je les remercie vraiment du fond du cœur. Sans eux, j'aurais pas pu vivre ce moment magique. Merci aussi aux radios qui m'ont invité pour parler de moi. Hein. Je pense évidemment les talk shows. J'oublie pas bien sûr toutes les pages Facebook qui m'ont aidé. J'ai pas le temps de citer tout le monde, sinon la vidéo va durer 2 heures. Je remercie évidemment les Girondins de Bordeaux qui m'ont fait ce magnifique cadeau. Et bien sûr, merci Orange, le 12e homme, de m'avoir fait vivre ce moment avec l'accréditation. Tout ça, c'était vraiment génial. Bon, ça valait les 14 heures de train. Voilà, ça valait les 14 heures de train aller-retour. Je te cache pas que j'aurais préféré partir en avion avec les joueurs. Alors juste avant mon annonce, je voudrais aussi remercier une dernière personne. Elle m'a vu grandir dans ce que je faisais. Et le problème, c'est qu'elle ne croyait pas en moi. Tu m'as permis de gagner en force de caractère, dans un sens. Donc, eh bien, je t'en remercie. Et j'espère que d'où tu es, tu sauras faire preuve de partage et de dévotion comme j'ai su en faire preuve pour toi. Alors maintenant, sans plus attendre, je vous annonce la surprise. Et bien la surprise, c'est simple, c'est une vidéo FAQ. Comment ça se passe? En fait, en gros, vous allez me poser les questions que vous voulez. Je répondrai dans la mesure du possible, bien évidemment. Là, je pourrais pas répondre à tout. Par exemple, si vous me demandez, je sais pas moi, combien mesure ton pénis? Bon, effectivement, ça va être difficile de répondre à cette question, c'est un petit peu personnel. Ceux qui ont Snapchat, et bien vous pouvez commencer à m'envoyer vos questions. Et ceux qui n'ont pas Snapchat, pas de panique, et bien vous avez qu'à commenter sur YouTube. Je sélectionnerai sur YouTube, du moins, les questions. Et sur Snapchat, ce sera un petit peu le hasard, voilà, donc ce sera un petit peu amusant. Voilà, ça y est, j'en ai fini, j'ai prévu plein de choses, hein, j'ai un nouveau projet YouTube, je prépare des choses pour la rentrée. Donc je vous embrasse, merci à vous, j'ai l'impression que c'était hier que je faisais ma première vidéo, déjà le débrief, voilà, j'étais ici, là, dans mon premier débrief. Donc ça fait un an et demi maintenant,
Et voilà, je suis super content, je suis super heureux, j'espère que ça va continuer, j'espère que je vais continuer surtout à vous faire rire, c'est ça le plus important, comme je l'ai dit. Merci à tous, je vous embrasse, et bien sûr, prenez soin de vous. Allez Bordeaux, et on est là, à la saison prochaine.